Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce nouveau rendez-vous politique sur Alterna TV. Désolé pour cette. Donc, c'était la chaîne YouTube qui était hommage, donc il y a eu cet écho. Donc, bienvenue à nos invités, professeur Lahouari Adi, sociologue connu, donc auteur de plusieurs ouvrages. J'ai vu récemment, le mois dernier, la traduction en arabe d'un de ses ouvrages. Je pense que c'est celui de deux anthropologues au Grand Maghreb. Donc, il a été traduit en arabe par un sociologue donc algérien, Alima Anthropologie fil Maghreb El Kabir. Il a été l'auteur de plusieurs ouvrages, je le disais. Marhaba bik si Lahouari Adi sur le plateau de مرحبا بك. Alterna TV. Maana kadalik si Larbi Zouaimia, analyste politique connu également, donc lui-même donc dispose d'une chaîne YouTube très suivie qu'on a aussi eu le plaisir d'accueillir sur notre plateau à plusieurs reprises. Marhaba bikom, donc في زوج دونك النقاش هذايا تاع نيشانج سور لا سيتياسيون بوليتيك دو نوتر بيي. اون ا شوازي دانتيتولي نوتر ايميسيون ريجيم اي اوبوزيسيون شاكان سا كريز. جو دير اون بارل بوكو دو كريز دو ريجيم. اون با لابوردي افيك نو انفيتي نوتامون افيك نوتر سوسيولوج دونك ايميريت سي الهواري عدي. كاسكو سي كان ريجيم اون كريز؟ سا في دي زاني كون بارل دو كريز politique en Algérie. Est-ce que on va se poser quelques questions. Est-ce que le pouvoir, le régime, d'une façon générale, a réussi à se reconstituer une base sociale dans le pays depuis ce qui s'est passé donc avec le Hirak de 2019? Et est-ce qu'il y a aussi une autre crise qui est celle de l'opposition à travers donc l'incapacité à affirmer une alternative donc à ce régime-là? Donc, première question à nos invités. L'Algérie vient d'être élue au Conseil de sécurité. Est-ce que, selon vous, c'est un bon coup pour le régime, comme c'est souligné par les médias affiliés au régime? Ça signifie que l'Algérie, est-ce que ça signifie que l'Algérie, le gouvernement algérien, dispose d'une certaine légitimité parce que il y a eu une élection pour Selarbi Zouemia qui a résidé longtemps au Canada. Donc, le Canada, par exemple, a échoué à être à deux reprises durant le gouvernement Harper en 2010 et le gouvernement Trudeau en 2020, a échoué à obtenir un siège donc au Conseil de sécurité parmi la dizaine de sièges qui sont des sièges d'une durée de 2 ans. Est-ce que donc c'est un bon coup pour le régime algérien? Tfadal si l'Houari Adi, ensuite si l'Arabie. Bon, il y a 200, à peu près 200 pays membres de l'ONU et le Conseil de sécurité, c'est l'organe suprême et dans lequel il y a 5 membres permanents et les 12 ou 11 autres membres sont élus tous les 2 ans. Donc ce ne sont pas des membres permanents. Ils n'ont pas de L'Algérie a été veto. élue, mais ce n'est pas la première fois que l'Algérie est membre du Conseil de C'est la sécurité quatrième de fois. C'est la quatrième l'ONU. fois. Voilà. Alors, l'Algérie est quand même un pays important, parce que ce n'est pas le régime qui est représenté au Conseil de sécurité, c'est l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays important. Et il faut juste espérer que le régime qui lui envoie, choisit celui qui représente l'Algérie au Conseil de sécurité, il faut juste espérer que le régime algérien fera un bon usage De ce mandat. de ce mandat. Mais c'est l'Algérie qui est membre du Conseil de sécurité pour 2 ans. Sylharbi. بصح نقول لك انا ما. ce qui fait
voir un pays, l'intérêt, je sais pas quoi, ou la voir aussi le pays en train de se féliciter de l'exploit, la compagnie Huawei d'être un concours sur la technologie. C'est un régime qui fait flèche de tout bois. C'est tout. Mm-hmm. Il fait flèche de tout bois et maintenant c'est le mensonge, maintenant c'est la fin, c'est la filouterie politique et voilà, c'est tout. Il est en échec. J'avais cru, moi, lorsqu'il est dit qu'il dit le Hachd, le ministre des Affaires étrangères, il dit le Hachd, le Chine Techbo. J'avais cru qu'il allait, je pense, je ne sais pas, faire une bataille kibira pour avoir un siège permanent au Conseil de sécurité. J'avais cru ça. Parce qu'en fin de compte, Sierra Leone a eu 188 voix et l'Algérie 184. C'est normal, c'est une opération normale. Il y a des pays qui ne sont pas permanents, ils sont élus, ils sont candidats, ils sont élus, mais il n'y avait pas une concurrence. Un enjeu, il n'y a pas un enjeu. Ni enjeu, ni rien du tout, parce que le point d'orgue, c'est-à-dire la matrice d'un pays, c'est son exploit économique, c'est ça. Mmh. C'est sa réussite économique. C'est la raison d'être déjà d'un pays. Maintenant que vous le Conseil de sécurité ou d'Erhou qui met là, c'est un régime islamique. C'est un régime échec. Il est dans l'impasse. C'est tout. Donc il utilise n'importe quoi, le Mekan. Il utilise n'importe quoi. C'est tout. Maintenant, l'ordre du jour, Rahmem, le football. L'ordre du jour est parti au stade, l'ordre du jour est parti au Qatar, l'ordre du jour la Coupe arabe, l'ordre du jour la Coupe arabe, c'est-à-dire la pédagogie institutionnelle, la méthodologie institutionnelle d'un État, justement, elle repose sur des lignes, et parmi ces lignes-là, c'est l'avancée économique. C'est l'avancée économique et la promotion sociale. Le plus important, parce que aux États-Unis, ou la vie Canada, ou la vie Suède, ou la vie France, ou la vie Espagne. Le débat permanent, le débat intercultural, le débat de l'heure, c'est le futur du pays, surtout en termes de santé, en termes d'enseignement, en termes de transport, de droits de l'homme, de la justice, de l'environnement, c'est ça le pays. Maintenant, le pays il se moque de nous, il nous prennent pour... Je ne sais pas, des marionnettes ou la dissous, c'est un mardi. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est l'Arabie. Pourquoi la question a été posée? Parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est de voir est-ce que une de nos questions qu'on a prévues de vous poser, est-ce que le régime a réussi à se reconstituer une base sociale, à se consolider, à aller chercher aussi la compréhension ou le consentement d'une partie du peuple algérien, parce que avec le Hirak on a senti une véritable rupture entre le peuple et ses gouvernants. On a annoncé cette semaine donc une initiative politique qu'avait lancé Bringerina, qui a été rejointe par un certain nombre de partis de l'ancienne alliance présidentielle, FLN, RND, l'UGTA aussi, un certain nombre d'organisations et associations de la société civile, entre guillemets. Est-ce que ce n'est pas un signe que le régime donc, commence à sortir de la crise, commence à retrouver une certaine cohérence, si le Houari a dit? Chauffe. Lors de la dernière finale de la Coupe d'Algérie, des dizaines de milliers de supporters criaient « Deoula Madaniya Mashi Askaria » et ils criaient des mots d'ordre du Hirak. Et ils étaient très hostiles aux généraux. Donc la crise, elle est là. Comme vous dites, le régime n'est pas arrivé et il n'arrivera pas à recomposer sa base sociale. Il est en train de reprendre les mêmes civils qui sont intéressés juste par des postes. Un Mgrina, il est intéressé pour être député ou ministre,
juste pour la paix ou pour les avantages matériels, mais il n'a aucun projet. Alors, mais allons au fond du problème. Vous parlez dans votre introduction, est-ce que le régime est en crise? Alors, on va expliquer qu'est-ce que c'est qu'une crise de régime. Un régime antique est en crise quand il n'a pas de légitimité politique. Alors, si nous faisons un peu d'histoire, le régime algérien qui est né de l'indépendance et qui est né du coup d'État de l'état-major contre le GPRA, avait une certaine légitimité. Avait une certaine légitimité, celle de la guerre de libération, parce que, qu'on le veuille ou non, l'état-major avait quelque chose à faire avec la LN. Et donc, et Boumediene, quand il a pris le pouvoir, il n'a pas dit « je prends le pouvoir parce que j'aime le pouvoir ». Il a dit « je prends le pouvoir parce que le multipartisme, ça va être une perte de temps, on n'a pas le temps, il faut développer le pays ». Il faut industrialiser le pays. Il faut scolariser les enfants. Et donc, de ce programme, le régime tirait sa légitimité. Boumediene tirait sa légitimité d'un programme qui était censé développer le pays. Mais avec l'échec de ce régime, avec l'échec de ce programme, le programme de Boumediene n'a pas réussi. Les industries créées ont été déficitaires. Il y a eu, c'est vrai, une scolarisation massive, mais le niveau de nos universités est très bas. Et donc, c'est un échec. Et donc, la légitimité du régime en a souffert. Il y a eu une tentative de restauration de cette légitimité sous Chedli par des réformes. Il y a eu quelques réformes. Mais ça n'a pas marché et il y a eu octobre 88. Octobre 88 est la date qui, théoriquement, marque la fin de la légitimité du régime algérien. Bon, Chedli Bejdid et le groupe de réformateurs qui étaient autour de lui ont introduit des réformes, ils ont mis fin au parti unique, il y a eu le multipartisme, mais il est vrai que ce n'était pas bien préparé, mais lorsque un parti d'opposition a remporté les élections, les militaires ont opéré un coup d'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le commandement militaire en Algérie, la hiérarchie militaire, n'est pas prête à changer de régime et à changer de légitimité du régime. Elle tient encore à la légitimité, soi-disant, la légitimité révolutionnaire. Mais cette légitimité révolutionnaire n'existe plus, puisque vous savez que le général Chengriha est entré dans l'armée en 1967. Le général Chengriha n'a rien à voir avec la LN. Et il n'y a plus d'officiers, compte tenu de leur âge, d'officiers algériens qui étaient dans la LN. Donc, l'élite militaire devait trouver une autre forme de légitimité politique. Et la seule légitimité politique qui existe, c'est la légitimité électorale. Et là, ils ont refusé. Ils ont refusé parce que, bon, d'abord, par intérêt. Parce qu'un général, pas tous, mais de nombreux généraux, comme ils sont au-dessus de l'État, ils ont des intérêts. Bon. Mais il y a une autre explication qui est culturelle. Dans la culture politique des officiers supérieurs algériens, il n'y a pas une confiance dans la population. Les militaires ne font pas confiance aux civils et à la population. Ça, c'est leur culture qui est très limitée. Ils ne savent pas ou ils ne sont pas conscients que l'ALN a été créée par des civils. Ben Bouleid, c'est un civil. Aït Ahmed, c'est un civil. Ben Bella, c'est un civil. Et donc, les militaires se sont fossilisés dans cette culture. C'est l'armée qui a créé la nation, c'est l'armée qui a été l'outil de l'indépendance, et c'est l'armée qui restera pourvoyeuse de légitimité.
Et c'est là où il y a la crise, parce que l'armée, c'est quoi? L'armée, c'est juste une administration. L'armée, c'est une administration. C'est une administration qui a des armes parce que sa mission, c'est de défendre les frontières du pays. Mais c'est une administration. Or, lorsque une administration désigne le président, les députés, etc., eh bien là, il y a la corruption. La corruption s'étend. L'Algérie est l'un des pays, et malheureusement, il faut le dire, l'un des pays où la corruption est le plus étendue au monde. C'est un pays où l'administration ne fonctionne pas. Il y a une crise à l'intérieur de l'administration. Les responsables intermédiaires d'administration ne savent pas s'il faut appliquer cet ordre qui provient de tel centre de pouvoir ou de tel autre. Vous n'avez qu'à prendre que la poste. Mmh. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi la poste ne fonctionne pas? Pourquoi la poste ne fonctionne pas? Parce qu'il est impossible aux responsables au niveau national de la poste de faire des réformes. Parce qu'il y a des ingérences de différents centres de pouvoir. Et donc, c'est une crise de légitimité. Et la hiérarchie militaire ne veut pas entrer dans la légitimité électorale. Ça peut se faire, peut-être qu'on va encore en discuter plus tard. Ça devrait se faire de façon graduelle. Il y a eu des sorties de régimes autoritaires en Amérique latine, au Chili, au Brésil. On devrait étudier ces cas. Ces expériences, oui. En Espagne. Les militaires pensent que s'il y a une transition démocratique, premièrement, un grand nombre d'entre eux iront en prison. Deuxièmement, il y aura la guerre civile. Ben, ces deux points sont faux. Pourquoi un militaire irait en prison si. Pourquoi il irait en prison? Il n'a pas à aller en prison, pourquoi? Et donc, ça peut se négocier. Mais pour que ça se négocie, il faudrait que les militaires manifestent une certaine bonne volonté, une volonté. Mmh. Voilà. Ou bien j'ai trop dit ou j'ai peu dit, mais on va revenir encore. Très bien, Silhouari Adi. Silharbi, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire le professeur Houari Adi, que le régime est en crise, et un régime en crise, c'est un régime aussi qui manque de légitimité? Qu'est-ce que les gestes dont on a parlé, par exemple l'initiative qui a été lancée pour reconstituer l'ancienne alliance présidentielle, il y a des gens qui disent que Tebboune essaye de faire du boundiamisme. Est-ce que le régime a les moyens aujourd'hui de faire un semblant de régime comme c'était le cas du régime de Boumdien, même si c'était un régime qui manquait de légitimité des urnes, mais c'est quelqu'un, il y avait des projets quand même qui étaient lancés en Algérie, une démocratisation de l'enseignement, l'industrialisation, etc. Est-ce que le régime aujourd'hui a les moyens de se lancer dans cette voie-là? Je n'aime pas le sociologue Adi, je sais que M. Adi a relevé le défi, c'est des intellectuels qui ont relevé le défi, mais malheureusement, nous sommes tombés dans un impasse kibira parce qu'il y a une déconnexion, la société, presque la masse, qu'on appelait à un moment donné la masse dans la formule socialiste, elle s'est déconnectée de l'élite. Même il y a une certaine banalisation, c'est-à-dire que l'universitaire, n'importe lequel il s'appelle l'universitaire, mais je ne sais pas le diagnostic, parce que c'est comme si, comme disent les Américains, Poutine des benchmark, c'est-à-dire des dates et des la crise algérienne. Parce qu'à un moment donné, on ressemblait à tout le monde. L'Algérie ressemblait à tout le monde. Ce n'est pas, elle était avancée par rapport en matière d'initiative, le qadr n'taha et tout. Maintenant, on ne ressemble à rien. C'était une vérité. Je ne sais pas si le dollar. Parce que tout simplement, l'impasse, les tohna fait,
Ce n'est pas parce que tout simple, ce n'est pas parce que il y a des jeunes qui ont crié Madaniya Micha Askaria, yani. Non, nous sommes dans l'impasse. Nous sommes dans l'échec. Et ça a donné vraiment libre cours à l'émergence de clones médiatiques qui polluent chaque jour le débat et qui font l'ordre du jour et qui aiguillent justement la vie politique et sociale vers d'autres sphères. Les gens ne maîtrisent pas. À un moment donné, l'opposition en Algérie, l'opposition استقلينا اوكي استقلينا كي ندير حتى الثوره فيها ديزير وعليه شرعي سي سي وعليه واش دار سي سي قتل الشاويه دوك لي 17 جوستمون من سي سي سو ديبا لي فيسورا لالجيري باسكو اون سي ديتاشي دي بروبليم دو لور دو لا كوزاليتي اللي تقدر تخلق بين واش يعيش الانسان الجزائري باش يقلبها لو ريفلكس بوليتيك لو ريفلكس ديموكراتي سي سا لو بروبليم تاعنا مش وقت بدات المشاكل ولينا نشوفوا في ناس واحد يسب في مصالي واحد يسب في الامير عبد القادر واحد يسب في هكا سي غراف لا سيتياسيون غراف ميم او نيفو دو سيت ايليت لا ا ان مومون دوني اون ا في كابون ولدنا درنا نو زيتيون كونتيستاتير نو زيتيون دي سالاري La majorité de l'opposition algérienne, des politiques, les activistes, voilà, les militants, voilà, les, tout ce que vous voulez, qui contestaient le régime, là qu'on a des salariés. Nous étions. Mais quoi? J'ai pas entendu le dernier mot. On était quoi? On était des salariés, nous n'étions pas. Oui, bien sûr. Nous étions des salariés. Nous étions des acteurs passifs de la rente. Parce que justement, à un moment donné, Boumedine, Boumedine, voilà, même si نهضروا على بومدين لازم نهضروا على بومدين نهضروا على الناس الاخرين مش نهضروا على بومدين برك نهضروا على الناس الكل ونقدر نقول لك انا بوتيتر نرجع لمصالح الحاج جو فوا مصالح الحاج اللي كان فاهم شويه نهضروا ا مومون دوني اون كونتريبيو حنا نوعا ما اليمونتي في نوليمونتي ولا ران لان ما كناش اون سوسيتي كي باسي بار دي سيكل ايكونوميك Nous n'étions pas une société aussi Wayne qui est un capital privé yakhlaq l'idée justement pour passer à autre chose entre Boumedine et Chadli. Et c'est pour cela le populisme boudiniste a été remplacé par une rente agissante. Les militaires, quelle que soit leur sociométrie, les militaires ne sont que le gendarme de la rente. Ils font partie, ils la créent chaque jour. Donc, حنا كي بدا الحراك انا ما كنتش بالشعبوي على بالي خارجين كاين حتى اللي خارجين يديروا مي قلنا ان كو اكلير في دي سوسيتي هذوما ان كو اكلير حنا مشنا الارجنتين ولا البرازيل وين الناس لو فيرمي يخدم لي بيزو يديروا الحليب كاين الخدمه اي سون ليبيري دو لا رونت اي سون ليبيري دو لا فونكسيون بوبليك نسمعوا على رواحها نسمع عندهاش تريسيتي اون كولومبي ما عندهاش حتى لي طواليت دونك سيتي اون بوسيبيليتي ا مومون دوني ا سي بي لا دالي فير ان ديموكراتيك كنا با لي ديجا كومونسا بريسيبيتمون لو شيلي ديوني ديموكراتي باسكو ايز ايتي ليبيري لوكران اوسي ولا حنا نو سوم ان كا بارتيكولي في الارض نو سوم ان كا بارتيكولي باسكو تو سامبلومون نو ايتيون كل نو افون توني غارنيزون دون اون شومبر ايكو كي فيني بافر Tout le monde parle. Où est-ce que nous avons dit? Où est-ce que nous avons dit? C'est un sociologue qui a écrit un livre qui s'est fait. C'est le niveau. Parce que nous avons dit qu'il y a l'Irak et nous avons dit qu'il y a un émerveillement. Et le Jazeer a dit le prix Nobel et le chasse. Nous avons dit qu'il y a un chasse. Nous avons dit qu'il y a un chasse. C'est impossible. كاين لازم شاف كاين نقولوا حنا ان بريديسبوزيسيون كاين هناك جو باسكو سا كيتاري ميم سي كو كنحلوه برك سي بلا تنسخيرولوجي بور مو انا نقول لكم صراحه يعني بلو ركول كيما هكا كيشوفوا علاش خرجوا لكن خرجوا ومن بعد سوبيتمون سي 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 حاجه تاع بال هذه 23 مليون خرجت النظام رجع يلوح الناس في الحبس بلا غير يا با دو بروف يلوح واحد جيجان اللي حكيتها له انا امريكان قلت لي قال لي واش قلت له ما كانش عنده يقول له راح
يلوحوا في الحبس ويقولوا شو هو التهمة تمس بالوحدة الوطنية. ما حتى اللي حتى لا ليتيراتور جوريديك ولا جوديسيير كيما ما كانش يلوحوا في الحبس لي حاكم مجلس الأمة زي وقت نابليون. شوف سي بير سي لو بوريسمون مام تاع مي لو ريجيم عنده لي مويان يستعمل اللي قلت يستعمل ديفلاش عنده لي مويان في لي مويان تاعو عنده كيما عنده هاليك هاللي ريجيمون سي اوز ايتازوني الى لي ريجي اون دي لا سنتر انتيليكتويال كي اون سيركل لو بوفوار امريكان لو سيركل انتيريور انر سيركل لو سيركل انتيريور اي بوي لا تري لا تريات كابيتولين كونغري بكا بنتاغون في بارتي دي ديبا بيان سور داكور مي سي تي سنتور على الاقل مي توجوريتي كاين الخدمه وكاين لا بورس كي دي سي حنا لا سنتور كي سنتور لو بوفوار سا سي ملتيبلي. C'est des armées de rentiers. C'est même aqlito. C'est fini. L'abd ma andouche. L'abd ma andouche. Mais il fait déjà l'instruction taht, l'université taht. Où est le débat politique? Où est le militant modèle? Où est le yandou fera? Comment on passe? Donc la capacité d'organisation, elle est nulle. Zéro. Nous n'avons aucune capacité d'organisation. Encore les chicanes, entre élite égoïste que l'ouah bien qui me dit qu'au lieu mais on ne doit même pas accueillir avec qui me dit qu'avec ici dit nous avons un problème on coule en coule ça mais on ne peut pas faire sinon nous l'ouah n'y a qui ma l'extrême gauche tunisienne donc on fait le café 5 personnes qui font le banque à tout mais ils ont droit à l'ammar l'extrême gauche de Tunis au coup ils font le banque ils ont droit à l'ammar ouah l'élite que l'élite نتاع 17 ابري ميدي ها هو وعلى بالهم كل وقت ولد الديريكتور تاع البنكه وقت الانيفيرسير تاعو باش يدير لي كادو جوستومون نو سون بريسك اوني مارجيناليزي سي تيريبل باسكو اوسي لي موين دو كومونيكاسيون لي زوربيت هذوما ميدياتيك لي خارقين ا بري il fausse plan et prévision واذا هي نظره تاعي وما عنديش انا فكره نقول بصراحه ما عنديش يعني انفورمي انا فهمت انا كاين اوكازيون تاع حراك الاتاك لازم تلقى العبد شكون العبد وشكون اللي يسمو غير يهدر برك حتى كي تهدر برك عندنا العقليه تاعنا لي زاجيرا كل تستناه برك غير وقت يكمل بور دير لو كونتر اي بور دير بارفوا حتى شيء عندنا هذه سيستيماتيك هذه لي نيجاتيف سيستيماتيك في الهضره تاعنا غير باش يقول لك كيما هكا. Oui, c'est une maladie aussi de la rente du salaire. Parce que tout simplement, nous n'avons pas vécu des cycles économiques. Mais qu'est-ce que il n'y avait pas de capital. يقدر يروح لفرنسا ويدير ديلوكاليزاسيون كولوكاليزاسيون ولا يدير اوتسورسينغ ولا يجيب لنا روبر ميد ولا يشري كيما هكا ولا يحل الباب تاع البلاد اللي كيما ما عندناش. Est-ce que on peut parler? Il faudrait un peu discipliner l'échange parce que. Allez-y. Il a dit beaucoup de choses en utilisant plusieurs angles. Et au fond, je ne comprends pas pourquoi il a dit je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai dit. Mais il me semble, si j'ai bien compris, il dit que nous sommes responsables en tant que les citoyens algériens sont responsables de cette situation. Il n'y a pas que les militaires. Bien sûr, parce que quand vous provoquez quand vous organisez le vide, quand vous provoquez le vide, eh ben, qui c'est qui va remplacer le vide? Ou bien qui c'est qui va profiter du vide? Ce sont les opportunistes, ce sont les médiocres. Or, qu'est-ce qui se passe en Algérie? En Algérie, il est interdit de faire de la politique. C'est interdit. Et c'est parce que c'est interdit de faire de la politique qu'il y a les opportunistes et les médiocres qui s'engouffrent. Et donc, il faudrait peut-être définir, quand je dis il est interdit de faire de la politique, il faut définir ce que c'est que la politique. La politique, c'est fondamentalement la capacité de critiquer ceux qui exercent le pouvoir d'autorité, ceux qui exercent le pouvoir de l'État, et de pouvoir les choisir.
C'est ça la politique. Ainsi définie, la politique est interdite en Algérie. Et elle est interdite par qui? Par la hiérarchie militaire. On est dans une situation de pré-politique. Et quand la politique est interdite, eh bien c'est la violence. Les rapports dans la société sont régulés par la violence. Et ce sont ceux qui sont les plus opportunistes, les plus assoiffés, qui en profitent. Et donc, tout ce qu'a décrit Selarbi, ce n'est pas faux, mais c'est la conséquence. Il dit, c'est la rente. Mais qui c'est qui empêche que cette rente qui constitue des dizaines et des dizaines de milliards soit utilisée pour la création d'une économie productive? Ce sont les militaires, c'est la hiérarchie militaire. Sans le système rentier, la hiérarchie militaire ne pourrait pas tenir. La rente, c'est la ressource politique de la hiérarchie militaire. Donc, la psychologie rentière, elle s'insère dans cette crise politique qui se reproduit. On parle de crise depuis 1988. Mais pourquoi le régime ne s'est pas effondré, il n'y a pas eu de changement? Parce qu'il a tenu grâce à la rente pétrolière. Et il fait de la rente un moyen pour se perpétuer. Et les acteurs sociaux, les Algériens, c'est des êtres humains comme partout ailleurs, ils s'adaptent à cette situation. Ils s'adaptent à cette situation. Et beaucoup d'entre eux rentrent dans la combine. Parce que si vous ne rentrez pas dans la combine, vous n'allez pas avoir ni un travail, ni un logement, ni... Vous comprenez? Alors, si on prend le cas de l'université que je connais mieux, l'université est dans le marasme. Il n'y a pas de production. Il n'y a pas de... Pourquoi? Parce que les étudiants vivent dans des conditions misérables, dans des conditions à 7-8 par chambre, avec une bourse qui n'a aucun pouvoir d'achat. Ils n'ont pas de bibliothèque, il n'y a pas de livres, il n'y a pas de revues. Les enseignants, ils ne désignent pas, ils ne choisissent pas, comme dans toutes les universités, ou la plupart des universités dans le monde, le doyen, le président d'université. Et donc, il y a une bureaucratie, une vie bureaucratique à l'université qui tue l'esprit de recherche, qui tue l'esprit d'innovation. Mmh. Et c'est ainsi dans l'économie, et c'est ainsi partout. Et donc, tant qu'il y a... Alors, le système n'explose pas. Il n'explose pas parce que pour l'instant, les gens ont du blé pour faire le couscous. Il n'y a pas de famine. Et qu'est-ce qui permet ça? C'est la rente pétrolière. Une partie des hydrocarbures, au lieu qu'on l'investisse pour des universités performantes, pour des industries qui exportent, nous, on consomme la rente pétrolière pour que le militaire, pour que le général, il continue à désigner le président et que les services secrets continuent à désigner les députés. Voilà le fond de la crise. Oui. Et lorsque des dizaines de milliers, c'est pas quelques-uns, et des dizaines de milliers, c'est un échantillon assez représentatif, des dizaines de milliers de gens dans les stades crient « Medeniya Mache Askaria », ça veut dire que c'est une aspiration profonde de la société, de la population, pour un changement de régime. Mais il y a un danger. Il y a un danger parce que la géopolitique,
les données internationales risquent de pousser vers une situation désastreuse, comme en Libye ou là en Syrie. Et ce danger, il faut en être conscient. Mm-hmm. Il faut en être conscient. Mm-hmm. Et moi, je pense sincèrement, je pense que les Algériens ont montré de la maturité. Les Algériens n'ont pas voulu entrer en conflit avec les généraux. Oui. Parce qu'un conflit avec les généraux, c'est le scénario syrien. Et personne ne veut le scénario syrien. Voyez-vous? Et donc, les Algériens attendent. De toute façon, nous sommes dans le long terme. Nous sommes dans le long terme historique. Mmh. Le long terme historique de la construction de l'État. Et la construction de l'État, c'est plusieurs générations. Ce n'est pas une seule génération. Très bien. Et donc, notre génération, quand je dis notre génération, celle du Hirak, c'est-à-dire la génération, en fait, qui est beaucoup plus jeune que la mienne, ont exprimé clairement qu'ils veulent un changement de régime politique, qu'ils veulent les élections. Les acteurs militaires ont refusé, bon, on ne va pas vers la guerre qui va détruire le pays. Les contradictions vont continuer à mûrir. Mmh. Et lorsqu'il y aura un prétexte, il y aura le Hirak. Très bien. Je ne sais pas si l'Arabie ou qu'elle a un des taquibs. choisir des dates ولا كذلك يعني ماشي بنحترمه بيان سير عنده فكر هو justement il assume sa يعني sa mission en tant qu'intellectuel parce que quelles que soient les idées mais il est permanent il est régulier il écrit il dit c'est la nature de la société يعني الحيه هذه même ولكن le fait de placer certaines dates ولا كنا هكا برك هذه ماشي داخله في ou la dictature militaire, Ben Ali qui est le hakim Tunis, il est militaire, Ben Ali. Mais on peut dire que c'est une dictature militaire, même si il y a une policier aussi. Donc c'est un militaire qui est un policier, c'est un état policier et c'est une dictature militaire. Mais la Tunisie, à un moment donné, en matière de mise à niveau, elle était admissible peut-être à Maastricht. La Corée du Sud, c'était une dictature militaire en 60-62 jusqu'à avec le général Clark. Le Maroc aussi. Nous ressemblons à un moment donné, actuellement, nous ressemblons à l'espace, les Ranafi. À part les pays du Golfe, les Andhom Swared, nous ressemblons à l'Égypte, au Maroc. On ressemble à ces pays-là. Mais la spécificité algérienne, c'est que on ne peut pas définir une crise par un épithétisme répétitif que de militaires. Les militaires sont associés à une rente plus élargie. Hatta juj renti, hatta raïs el beladiya renti, ou bni ammouk. C'est un monde de rente. Les militaires, ce sont eux qui décident comment trouver le chemin. Que ce soit l'influence de la diplomatie, ou la dire Moujouda, sans définition corporative du militaire, il y a une rente qui nous diffère. Il y avait une différence. Il n'y avait pas de rente, en Tunis. Même les dictatures, la mise à niveau. Parce que Airbus commandait des pièces, en Tunis. Parce que la délocalisation, même en matière de service, se fait, en Tunis. Il y avait une société qui a fait le travail. Nous, là, باش نقول انايا لان نقدروا نختلفوا مدنيه ماشي عسكريه صافا ترجعني انا نهضر كفيس انا رايي ميم اذا كان دي جون سيتي ايليا سيرت ديفينيسيون اللي فاليد نوعا ما قال مدنيه ماشي عسكريه تقدر تكون هي فاليد
قال لي جمعت رجع الفيس قلت سي العربي رجعني لي سلوغون دي فيس داكور اوكي سلوغون دي فيس مي ميم سي الي جوست قال لي سي محمد انت كل يوم تحكم للتلفزيون وكل يوم انت حاكم للجنرال ماجور اللي قبله وهذا ولو درك في اليونيفرسيتي كان اسمه داكور من نقد تقدر هذه يولي اني لي مود ديفيزيون كوم كريتيكي الامير عبد القادر استني لي مود ديفيزيون باسكو الحراك اوسي الحراك سي دي جون خرجوا مي ما كاينش اون اكسبرسيون يعني لي جون بونسي هكا لي جون خرجوا باسكو ملين مي ما كاينش اون بوليتيزاسيون دو لا ماس حنا مشنا كيما لي جواليزا ولا اون سيربي لا ماس اللي كانت خرجت باسكو ملت مي il y a une masse aussi qui est le carburant c'est la substantifiquement ouais de la rente c'est pour cela que ma darba li wala qulna الحراك c'est une occasion sans tomber filouchement c'est une occasion pour que une élite à l'aql واحد يوقع عليه الكونسنسوس باش الناس تعرف لادريس et puis ولات لا فيفر هذه تاع الانقسامات اي ولات الدبابه كامله قال لكم قبلهم اللي يديروا فيها كيما هكذا mais il y a une société en crise en Algérie et ce n'est pas cette société qui va dire nous avons deux formules ou tu as des crises de la famine ou le pétrole est tombé comme ça nous le vraiment fi مشكل تاع cessation de paiement à ce moment-là c'est la rue et le fauda ou que je m'en وسطهم هلي militaire هما يخرج واحد وقال voilà انا يا même si je suis militaire على الاقل نورينتي لو باي vers l'investissement نكسر عليا la rente هذه mais سيماجيني بلي رانا حنا راح نتفاهموا على واحد باش الناس اللي نشوفوا فيها كل يوم يتفاهموا على واحد مش مقادرين يتفاهموا على واحد يتفاهموا على واحد سي نوتر ناتور لو ديبا ا كومونسي اون 1924 جوسكو 1954 30 ans de débat et c'était l'éclatement تاع البي بي ا مركزيين وخرج الكريا ومصاليين ومصالي ما كان ريتيسون على الثوره هذه هي ورجو استقلينا شكون كي استقلينا شكون هو الشيء وكل شيء فان هذه فين هذه علاه فيتنام استقل فيتنام يافي ميم سيتي لو بارتي كومونيست بصح يافي استركتوراسيون بوليتيك هي كومباني مي كاين عندهم واحد اسمه هوشي مين سي بور سولا كو فيتنام اكطويلمون روح شوف البي بي تاعو زواج سي تادير ان يافي با تو يعني توت لي زيسو ont été fermés, باش الناس هذه ذاك ما يدخلش هذه هي التحليل تاعي يعني انا مي توجور جوعيت ما نقدرش نعطيك حاجه ونقول لك بصراحه يعني بلا ما عنديش حاجه انا واحد من الناس واللي تزيجي لي ليا بس قال انا المجتمع هذا يظهر لي مش فاهم خلاص يعطيك صحه سي العربي سي الهواري دو فوت ديرنيير انترفونسيون فو ديزي سي لا فوتو او ميليتير كي بلوك تو كي فيرم لو شام بوليتيك اي ميدياتيك alors que on a vu dans le Hirak donc il y avait une volonté tel peuple de d'aller vers une république un état de droit une république démocratique mais justement durant la brèche du Hirak qui a duré au moins un an pourquoi selon vous l'opposition qui était présente dans le Hirak n'a pas réussi à affirmer quelque chose de consistant comme alternative politique il y a eu des tentatives on l'a vu avec NIDA 22 on l'a vu avec le PAD mais c'est jamais aller au-delà de déclarations écrites et publiées, partagées. C'est-à-dire l'opposition, que ce soit du courant démocratique ou même des islamistes, ont échoué à affirmer donc un projet politique alternatif au régime. Pourquoi, selon vous, je veux dire, je ne parle pas de la situation actuelle où c'est la terreur que fait régner le régime, mais en 2019, même début 2020, il y avait une relative liberté d'expression. Les Algériens sortaient dans la rue par centaines de milliers. Il n'y avait pas de répression telle qu'en tout cas on la voit aujourd'hui. Ou alors l'opposition a échoué à affirmer cette alternative-là dont on a besoin aujourd'hui. Alors, j'avais dit tout à l'heure qu'en Algérie, il était interdit de faire de la politique. Mais la politique, elle existe. La politique est une dimension existentielle et essentielle pour toute société. En Algérie, il y a un seul
organe qui est autorisé à faire de la politique, c'est le commandement militaire. Il n'y a aucun autre organe ou parti qui peut faire de la politique de façon autonome. Donc, si vous voulez, lorsque le seul acteur politique du champ politique refuse de jouer le jeu, eh bien, il n'y aura pas d'initiative politique et il n'y aura pas de changement de régime. Tant que le commandement militaire considère qu'il est le seul acteur politique et qu'il est le seul acteur politique légitime, la situation demeurera telle qu'elle est. Les autres acteurs n'ont pas l'autonomie. Regardez, Kerem Tabou est en prison. Et si d'autres parlent, ils seront... Enfin, d'autres moins connus. Il est sous contrôle judiciaire. Il est sous contrôle judiciaire. Il est sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire que s'il n'accepte pas les conditions qui lui ont été posées, il ira en prison. Des journalistes sont en prison. Des jeunes sont en prison. Il est interdit de faire de la politique. Mais je parlais plutôt de 2019, s'il vous réagit. Mais même 2019. Ouais. 2019, c'est vrai qu'en 2019, le régime a été, pendant 3 ou 4 mois, hypnotisé. Il ne comprenait pas comment réagir. Des milliers d'Algériens sont descendus dans la rue. Ils pensaient que, à travers les services de sécurité, ils tenaient bien la société en main. Et donc, il leur a fallu 4 ou 5 ou 6 mois pour se ressaisir. Ils se sont ressaisis. Ils se sont ressaisis et ils ont bien ciblé les acteurs les plus importants du Hirak et ils les ont neutralisés. Ensuite, il y a eu le Covid qui les a aidés. Mais si vous voulez, le commandement militaire a raté une occasion en or. Je connais les acteurs les plus actifs du Hirak, parce qu'on n'habite pas la même ville. C'est qui les acteurs les plus actifs du Hirak qui ont été emprisonnés? L'organisation SOS Bab El Oued. Okay. Il y avait des acteurs. Il y avait le commandant Bourga. Oui. Il y avait d'autres qui se sont exprimés. Il y avait une dizaine de membres de Rage qui ont été emprisonnés à la fois. Il y a des dizaines de jeunes qui sont sortis de l'anonymat. Oui. Là, tout ça. Dans toute société, il y a des acteurs. Et jusqu'à présent, il y a des acteurs, mais ils sont réprimés. Il y a 300 ou 350 prisonniers d'opinion politique. Dans toute société. Toute société crée sa propre élite. Toute société crée sa propre élite. Et qu'est-ce qui se passe en Algérie et pourquoi il y a une crise? Eh bien parce que le commandement militaire refuse à la société algérienne de créer sa propre élite. On lui dit, c'est nous qui choisissons votre élite. C'est nous qui désignons Benguerina pour vous représenter. C'est ça le société. Nous sommes comme toutes les autres sociétés. Je voudrais revenir. Je suis de l'Est, vous êtes de l'Ouest, je suis de l'Est, je connais ce qui se passe à Annaba, à Guelma, à Soukharas, je connais. Ils ne connaissent rien du tout de ce Hirak et de ces îles du Hirak. Parce que tout simplement, il y a l'esprit, c'est presque la maison de la Palestine. C'est l'armée. Je vous ai entendu et je voudrais faire une remarque de méthode. Ce que vous recherchez, c'est le consensus. Et le consensus n'existe nulle part. Vous aviez cité plusieurs fois le fait que l'Emir Abdelkader est critiqué. Et c'est normal. En France aussi, il critique Napoléon. Les Français critiquent Napoléon. Les États-Unis, parfois, ils critiquent Washington.
Ça, ça fait partie du débat. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait un consensus? Il n'y a pas de consensus. Il y a des divergences, il y a des opinions différentes, et ce sont les élections qui tranchent. Hadi Awalem. Deuxième remarque de méthode que je voulais vous faire. Il ne faut pas croire, enfin, ça c'est pas pour vous, je ne dis pas que vous le croyez, mais nous, il ne faut pas croire que si jamais les militaires acceptent la transition démocratique et qu'il y a les élections, tout d'un coup, tous les problèmes de la société vont disparaître. Je n'ai pas dit ça. Non. J'ai dit nous, beaucoup okay. d'entre nous croient ça. Okay. Il ne faudrait pas que... Ce ne sont pas les militaires qui sont responsables de tous les problèmes de la société algérienne. Par contre, les militaires empêchent les Algériens de résoudre par eux-mêmes leurs problèmes. Ils empêchent. Et donc, non, il faut qu'on se confronte à nous-mêmes. Il faut qu'on se confronte à notre histoire. Vous avez parlé de Messali Hajj. Ben oui, il faut confronter cette histoire publiquement. Il faudrait voir pourquoi Messali Hajj n'était pas d'accord avec le 1er novembre 54 ou bien avec les gens qui l'a formé et qui ont déclenché le 1er novembre 54. Il faut parler de l'émir Abdelkader. Il faut parler de la langue berbère. Il faut parler de la langue arabe. Il faut parler de Derja. Il faut parler de tout. Et tous ces problèmes, ils sont interdits. Ils sont interdits par les militaires. Et je ne suis pas en train... Alors, vous avez dit que la société est en crise. En fait, nous n'avons même pas de société. La société est en formation. La société algérienne est en formation. Dans la mesure, vous avez dit, vous êtes de l'Est et moi de l'Ouest. Mais... L'Algérien de l'Ouest, quand il va à l'Est, il n'a pas l'impression qu'il est dans son pays. Il veut rencontrer des gens qu'il connaît pour être à l'aise. Il veut rencontrer des gens à Soukahras qu'il connaît déjà. Parce que la conscience nationale n'est pas encore cristallisée. Nous ne sommes pas encore une société dans le sens sociologique du terme. Nous sommes des espaces familiaux, nous sommes des espaces domestiques qui aspirent, donc les acteurs aspirent à créer un espace public. L'espace public n'existe pas en Algérie. Pourquoi on va dire, regardez, il y a la religiosité, la religion qui reprend le dessus en Algérie, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui portent, de jeunes femmes qui portent le voile. Mais c'est normal que des jeunes femmes portent le voile, parce que l'espace public en Algérie est très hostile aux jeunes femmes. Elles ne se sentent pas en sécurité. Alors, quelle est leur réponse? Elles sacralisent leur corps. Vous me respectez. Parce que dans notre culture, qui encore des relents de féodalité et d'une culture médiévale, on ne respecte. Ou là, on a peur que de deux choses. On a peur que de la force du militaire, le Joued, ou là, de la force du religieux, al-marabat, al-wali, khaif al-ilayna. Donc, mais tout ça, tu es en train de, peu à peu, de changer. Et il faut donner le temps au temps. Il faut donner le temps à la société algérienne de se transformer de la communauté traditionnelle rurale à la ville d'Alger qui compte près de 7 millions d'habitants. Et ce que je dis, tout ce que je dis de la responsabilité des militaires, c'est qu'ils n'accompagnent pas ces changements. Ils les bloquent. L'élite militaire devrait avoir une perspective historique et accompagner ces changements sans violence, sans haine entre nous, entre Algériens. Et c'est là où les militaires ont démissionné. Ils ont démissionné de leur rôle historique d'accompagner les changements. Mais ceci dit, je suis presque d'accord avec l'Arbi quand il sur 90% des effets négatifs, des aspects négatifs qu'il y a dans notre vie quotidienne.
Voilà ce que je voulais dire. Je suis désolé d'avoir pris. باش نقول لك باللي 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 لا ديفيزيون لا سيسيون لو ترونسوناج لو سوسيسوناج دو لا سوسيتي اي فيزيبل كان موجود سي بور سولا كو يهضر على الامير عبد القادر مش مشكل جو ني با دو بروبليم مي مش ني فرنسا درك نو زافون ابلي بور ان كونسنسوس Parce que justement, nous n'avons pas des projets politiques à présenter. Donc nous sommes dans une phase de sauver l'État. C'est pour créer cet espace démocratique. Nous sommes parce que la rente, les régimes qui se sont succédés ont ruiné le pays. Les conséquences, tu as dire le hijab parce que elle sacralise encore un imak, parce que c'est des conséquences de société, c'est de la crise sociale, l'imak. C'est les conséquences aussi de l'absence de débat, l'absence de l'université, l'absence de la récompense pour Nel. C'est les conséquences de la corruption. C'est les conséquences de l'amis, de le cousinage, de le copinage. Nous étions une société, au moment du Hirak, nous étions en phase terminale, terminale. Nous étions dans une phase terminale de problèmes. Parce que nous avons même un président qui n'existait pas et c'était la débandade. Et c'était, ça s'est opéré en Algérie, le grand cambriolage de la bande. Qui gère Hirak, Khloujgulna? On ne veut pas empêcher les gens de parler. Nous, au contraire, lorsque Wahid Kiman Tatar d'Armlir, c'est la permanence. C'est une permanence qui ne veut pas s'éteindre. Vous assumez votre responsabilité. Quel que soit l'ikhtilaf, ce n'est pas important. Mais que les gens disent, parce que nous sommes aussi à la recherche de la bonne idée, comme une entreprise qui cherche le bon mécanicien. Mais les problèmes lesquels, il y avait une division. Il y avait une division sociale. Il y avait une division même ethnique. Et au moment où Au sein du Hirak, c'est l'Arabie? Non, le Hirak, c'est une expression. Le Hirak, comment le quantifier? Le Hirak, les gens sont sortis. Kharj. Spontané, décidé, et il est ahzab, que le wahdi goul, que le wahdi goul, kharj tuana. La alina. Nous sommes goudam le Hirak. Le marre le goul, le jma'a, le kharjouj, le jma'a, parce que goul, non, que sortez même le vendredi. C'est correct. C'est le moment du consensus. Parce que peut-être qu'il y a une prise de conscience. Peut-être parce que les gens aussi voient leurs problèmes aussi. Nous avons senti une causalité. Nous avons senti un réflexe, justement, qui est la résultante du vécu social. Et c'est pour cela que nous avons dit, on ne va pas chercher à expliquer à une fille de 18 ans espagnole, Franco, j'ai des problèmes de l'heure. Je ne veux pas, c'est l'historique de la maladie. J'ai une maladie devant moi, ou j'ai une occasion. Les gens doivent être disciplinés. C'est très important. Ils doivent être disciplinés, même dans l'explication historique. Parce que les gens, quand ils sont dans le monde, ils aiment le pays, ils aiment le désert, ils aiment comme ça, ils aiment comme ça. Il y avait des problèmes. Et nous, on est en train de débats. Et nous, on est en train de faire 5000 personnes, et voilà comme ça, à chaque fois à la fin. C'est presque, nous sommes devenus... Non, nous faisons face à des gardiens de l'ordre politique. Et là, ils nous tournent, ils disent, on est sur l'Algérien. L'Algérien هيك عنده l'amour propre تاعو يحب ما تحقروش يحب تسمع الفكره تاعو يحب كي هكا عنده فما بالك تدخلني انا في هضرات لي تقدر ديفيزي اي ا سو مومون لا سي ني با لو ريجيم ولا لي ميليتير كي فريي لو شيمان بور لا رونت باسكو سي لي ريبريزونطون سي لو سي سكو نابيل لو كوموندمون جينيرال دو لا رونت لي حوسوا على لا بون ميثود بور باش يقتلوا الحراك ont joué sur la division. Ils ont joué sur la division. La première action n'était pas d'emprisonner les politiques. Ils n'avaient pas à ce moment le courage avec le général Kouch. Non. C'était empêcher Rayal Amaziria. C'était fricte la police Rayal Amaziria. Il est bel ou bien qu'il y a une frange kbira de la société qui a évolué dans l'anti-amazirisme et l'anti-berbérité. Il le sait. Si ce n'est pas lui-même qui a été kabylophobe. L'abba Allah, peut-être, bach m'ba'ad, b'dina, f'l'étête, ou f'l'étête m'khayrine.
نوعا ما ميم سي لا ابريسياسيون ما عندها حتى وسوم في لي تيت سا ما با دير كون اون بريزوني فلان باسكو حبس الحراك مي لو ريجيم ا اوتيليزي حوايج موجوده وحنا ما يعني سيرتاي نشوفين يهضروا وخاصه في المغاربيه ولا يعني سكون ابل هل هل ليدر دوبينيون هل يعني نسمعوا فيهم يهضروا لي جون ميم لي جون شويه يعني يفالي ا مومون دوني شويه مزوري شويه اسمح لي برك نكمل هذه مزوري شويه دو فاصون اسكو على الاقل نلقوا لو مودوس اوبيراندي نلقوا لا نلقوا لا طونجونت نلقوا لا ميديان قال باش يا جماعه كيما هكا دو فاصون اسكو لي جون سي ريكونيس اوكول سي ريكونيس بلا ما تجرحوا باسكو سيتي سنسيبل نو زافون فيكو دي كونسيكونس تيريبل تاع الريجيم كومبريولور كورومبو كومبرادور ضد بلادو عاد دخل 1000 مليار من ذاك هكا وكان مربوط بان كابل انترنت ابارتير دي ايطالي سا سي سي دي يراي اكطويلمون الاندكس دو ديفونتيفيتي اون الجيري سي 164 لو فري لي مزيري صح ماشي باسكو دي جون راحوا لشنغهاي تمسخر بهم هواوي جاي فيليسيتي فيهم ولا دار لي انايا واش اسمه راح تمسخر لينا في الامم المتحده هاد الهضرات هذيا دونك ا مومون دوني اي في دي ريسبونسابيلتي بون مش قاعدين نفر ربما لي جون ثاني نتي با لا غالب يعني مش قاعدين هذاك مي سيتي انا نشوف انا شفت كيما هكذا كفار maintenant مي كفار اي بار او Et par où commencer? C'est la question peut-être accent à l'inine, dit Kigel. C'est très difficile le Kézako, comment? Comment par où commencer? Même quand il y a un peu de même quand il y a un peu de temps, on dit qu'il y a une istiadad, comme il y a en arabe. Il y a une istiadad, mais qui? Mais qui? À quel sens vous voulez? Très bien. D'accord. Bon. C'est le bon, vous dressez un constat qui est juste, mais il y a encore une fois une question de méthode que je voudrais rappeler. Il me semble que vous croyez qu'il peut exister en Algérie ou qu'il existe ailleurs des sociétés qui ne soient pas divisées ou des champs politiques qui ne soient pas divisés. Non, ça n'existe pas. Écoutez, il y a ma... écoutez la dialectique américaine ou la dialectique anglaise qui met ça se créait quelque part dans l'histoire et ça frappait sur le fronton du McDonald's. Il y a un moteur qui est là, qui est permanent. Il y a une société qui sort de l'autobus Yizri Bechirdem. C'est ça. Nous n'avons pas ça, nous. Nous avons une société de rentiers. C'est des régiments et le plus grand nombre de voleurs au monde fait Zahir par rapport à la population. Mais c'est le régime politique qui refuse l'indépendance de la justice. Si la justice était indépendante, là, je ne dirais pas que la Cour Ispon disparaîtrait, mais elle atteindrait un niveau normal comme il en existe en France ou là au Japon. Ça, c'est la responsabilité. Et de cette manière-là, vous déresponsabilisez le commandement militaire. Je déresponsabilise. Mais là, vous le déresponsabilisez. Attendez. Il n'existe pas de société qui ne soit pas divisée. Les États-Unis sont au bord de la guerre civile. Non. Trump. Non, attendez. Trump, il est. Trump, il est. Il va passer devant la justice. Il a des milliers de supporters. Non, sur lesquels il compte pour venir. Il va en prison. Là, c'est pas. Il n'existe pas de société qui ne soit pas divisée. La division, elle existe même dans. C'est l'essence de l'existence sociale. On ne peut pas être. Même le FLN historique en 54, le FLN historique qui a était exemplaire dans l'unité. Il était traversé par des divisions. Et il y a eu même des assassinats. Berdan a été assassiné. Donc, il n'existe pas de... Mais, dans la modernité, ces divisions sont régulées par des institutions. Et ces institutions reposent sur le vote, le suffrage universel. Et cette hypothèse fondamentale est refusée par le commandement militaire. Maintenant, vous parlez, il y avait une unité du Hirak. L'unité du Hirak, elle consistait en un seul mot d'ordre. L'unité du Hirak, c'était
il ne voulait pas que la hiérarchie militaire désigne le président. Mais au-delà de cet objectif qui est commun, il y avait des divisions. Il y avait des laïcs, il y avait des islamistes, et même les islamistes étaient divisés. Il y avait des modernistes, des islamistes radicaux, des islamistes modérés, et il y avait des démocrates modérés, des démocrates intransigeants. Et c'est normal. Ce n'est pas propre à l'Algérie. C'est normal. Mais c'est n'est-ce normal. Pas là où réside le problème, Sil Houari Addi, justement, le fait que ce qui unissait les gens du Hirak, les Algériens qui sortaient dans le Hirak, était juste Madania, Meish Askaria. C'est trop peu par rapport à ce que l'Algérie a vécu, par exemple, vous parliez tout à l'heure des années 90. Les années 90 ne sont pas vues par tous les Algériens de la même façon. Il y en a qui disent surtout pas le fils. Si c'est pour favoriser le retour du fils, je ne marche plus. Est-ce que c'est à ce niveau-là que les Algériens ont péché, je veux dire, ont été incapables de construire quelque chose de consistant parce qu'ils ont refusé ou ils n'ont pas pu aller au-delà, définir un certain nombre de points, de garanties qui permettent justement d'affirmer un projet émancipateur pour notre peuple. Les islamistes qui ont été assez radicaux dans leur langage dans les années 80 et 90, ben, ils ont évolué. Ils ont accepté. Et partout dans le monde musulman, les islamistes ont plus ou moins accepter l'autre. Ils ont renoncé au takfir. Ils ont renoncé à considérer non musulman quelqu'un qui n'est pas d'accord avec eux. Et ça, c'est un progrès. Donc, ils ont accepté. Donc, aujourd'hui, en Algérie, on peut discuter avec les islamistes. Et on va laisser les élections décider. Ce n'est plus comme dans les années 90, c'est vrai, que le fils avait, ou en tout cas, certaines courant du fils avait un langage intolérant. Aujourd'hui, entre toutes les composantes de la société, les composantes politiques potentielles, il est possible de parvenir à une plateforme commune comme celle de Saint-Égidio, mais beaucoup plus enrichie, n'est-ce pas, et à laquelle adhérerait un parti islamique. Je ne dis pas le fils il est dissous, mais il peut être autorisé de réapparaître sous un autre nom, le RCD, le FFS et d'autres partis. Pourquoi pas? Ils peuvent arriver à dégager, à être d'accord sur des règles d'accession au pouvoir et sur un certain nombre de conditions sans lesquelles la démocratie ne peut pas exister. L'égalité juridique en femmes, l'alternance électorale, la liberté d'expression, la liberté de la presse et l'indépendance de la justice. Si nous arrivons, et les islamistes maintenant ils acceptent cela, si nous arrivons à faire signer tous les courants politiques cette plateforme, on peut aller vers des élections libres et de toute façon, il n'y aura jamais un parti qui va avoir 51%. Donc, il va y avoir des luttes à l'intérieur du Parlement pour former un gouvernement. Alors que les luttes seront au Parlement, la société, elle va travailler, elle va être plus calme. Donc, les confrontations seront au Parlement, pas dans la rue. C'est ça la démocratie. Eh bien, ce schéma-là, il est refusé par le commandement militaire. Très bien, c'est l'armée. Non, mais je n'y ai pas des islamistes, mais je cherche parce que c'est la bonne méthode, justement. J'entends pas bien, il faut élever la voix. Élever la voix, c'est l'armée. Je n'interdis à personne, il n'y a aucun problème avec les islamistes. Je ne parle pas d'islamistes. J'ai parlé à un moment donné, justement, dans le cadre de la méthode. Dans le cadre de la formule, moi j'appelle beaucoup plus la formule, il y avait des fossoyeurs de la formule. Le moment du Hirak,
Est-ce qu'elle était conjoncturelle? Il y avait des indisciplinés, justement, des islamistes. Parce que le Hirak, c'était un test. Certes, le courant islamiste se cherche lui aussi. Il doit s'ajuster, certainement. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans les pays européens aussi. C'est une expérience quotidienne aussi. Ça, c'est correct. Il y a des positivités. Nous ne sommes pas dans le cas de figure des années 90. Il y a une évolution parce que plus les médias, plus les... il y a une évolution. Les islamistes sont des Algériens, il n'y a aucun problème. Ils acceptent l'alternance, ils ihtarment le mar'a. Mais quel chose qu'il a, il y en a. J'ai parlé à un moment donné des gens, des indisciplinés du courant islamiste qui décidaient pour les mots d'ordre de répéter le peuple web. مدنية مش مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية. même si peut-être نقول إحنا في الكاليفيكات كيميكا. mais justement elle représentait un courant parce que le participant au Hirak مش en politique ou derrière directement. parce qu'on attendait quel وش الشعار. الشعار façonnait justement une partie du Hirak. et on voyait déjà, on voyait la teinture. ce n'est pas les islamistes que la belle équipe des islamistes qui font l'effort. على بالك ان الاسلاميست كي سون بري بور لي ديبا بوليتيك سي كي بوزيتيفيتي باسكو صافي اون نيفو دو كامل حتى حنا ما كناش ديمقراطيين واحد يصلي برك نقولوا له تيرورست نكريتيكيو رواحنا جو سوي بو ما كاينش مشكله ما عنديش مشكله نهضروا لي شيك دو حراك ريفيان ا سيرتين زيليمون اسلاميست لي شيك دو حراك ريفيان ا سيرتين زيليمون اسلاميست كي اون تيسي كي ايتي دو بون انتيليجونس افيك لو ماروك لي خلقونا الشوشره تاع مالي علاه انا نهضر مدنيه ماشي عسكر جو سي كو لو كوموندون ميليتير سي لو بلو كورومبي جو سي كو لو جينيرال سي بلو كورومبي مي سي اون لوا سيفيل سي ميليتار او سيفيل اون ادير سي العربي دو كي فو بارلي دقيقه 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 مدنيه نروح نترونس نهضر مدنيه ماشي عسكريه اوكي لو حراك مدنيه ماشي عسكريه هذاك ونقلب الديبا عسكريه هنايا باش نحكي انا قصص في غازار علاه سا سي باسي اون ايجيب Bêche, je ramène le soldat algérien. Non, je suis désolé, moi je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire. Non. Je suis désolé de vous dire, mais c'est vraiment incohérent. Parce que ça va, le Maroc, mais, vous critiquez les militaires et vous critiquez ceux qui disent Madani et Machi Askaria. Non, il faut introduire un peu de cohérence dans votre position. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas votre position. Pour qu'on puisse discuter, il faudrait qu'on comprenne votre position. Ma position, le consensus auquel ont appelé beaucoup d'Algériens, fait le Hirak, a été les fossoyeurs, certains fossoyeurs, c'était des islamistes. Mais qui, certains fossoyeurs, c'était des islamistes. Mais quels islamistes, c'est l'Arabie. Le MSP, il a rejoint le pouvoir. Le Hamas, il a rejoint le pouvoir. Jabalallah. Les jama'a li kunna nchoufou fihom ya dik el wa'd hirak ou kanou représentaient un courant islamiste qui m'a parlé. Donc vous déresponsabilisez le commandement militaire. Je déresponsabilise. Le Hirak a échoué. Parce que c'est les islamistes et pas le commandement militaire. Écoutez. Là. C'est ce que vous êtes en train de dire. Non. Allez, ça suffit. Laissez-moi. Donc les militaires, ils voulaient bien qu'il y ait la démocratie, mais les islamistes ont fait échouer le projet. Ouais, c'est sérieux. Non, il faut être sérieux. C'est pas tout à fait cela qu'il a dit. Non, c'est ce qu'il est en train de dire. Et c'est pour ça qu'il est en train de dire cela. Il est en train de dire cela de façon incohérente pour faire passer en dessous ce message. Non, votre position. Il y a un blocage. Il y a un blocage. Il y a un blocage au niveau du sommet. Vous avez parlé plus que moi. Laissez-moi vous résumer. Il y a un blocage. Il y a un blocage. Et le blocage, c'est le commandement militaire. خليني كمل وهضر نتا انا كي تقول لي انكويرون بتات نتا انكويرون انا مش ني انكويرون و ريبيتي لو كونستا و لو ريبيتي طول طون لو كونستا وهذا اختلافي معك و ريبيتي طول طون كونستا سي فيني بور لو بوفوار لو لو كونيسون il y a un problème ما ندخلش انايا انا ما نروحش باش ندير لي مورفولوجي نمبوزي على الناس لو بوفوار اون لو كوني اسي لي كونسيديرون كو سي لي ميليتير اوكي لو بوفوار اون كون نو سون فاس ا ان بوفوار كورومبي اساسان كيستردزير سا سي لي كاليفيكاتيف باش نطيح هنايا في ليبيتيتيزم ريبيتيتيف هذا على البوفوار نهضر على لي جون كي سون فاس نو فاس او بوفوار هذا اللي نهضر عليه انا جو سوي اون اوتو كريتيك
le pouvoir s'est terminé. Quelle est la bonne méthode? Certains islamistes... Laissez-moi vous répondre sur ce plan. Écoutez, laissez-moi vous répondre. S'il part pendant une demi-heure, c'est plus un échange. Il faut que pour 5 minutes et je réponds. Non, je n'accepte pas. Non, je n'accepte pas. Allez, ça suffit maintenant. Écoutez, nous critiquons ceux qui exercent l'autorité de l'État. Parce que cette autorité de l'État, elle appartient à la population. Non, mais laissez-moi parler. J'ai lu vos textes. OK. Laissez-moi vous répondre. Non, mais il est là pour m'empêcher de parler. Non, vous êtes libre. Non, il est là pour m'empêcher de parler. Vous décidez pour ma position, là, au Chinois. Vous pouvez dire incohérent. Allez, je n'ai pas fait le PQ. C'est incohérent ce que vous dites. Non, c'est incohérent. Vous voulez m'amener à épouser le diagnostic terre. Non, je n'ai pas fait de diagnostic, j'ai fait une analyse. Mais quand vous faites. Quand vous faites vous parler, vous critiquez. Attendez. Vous pouvez nous couper la parole pour que je puisse passer un mot. Voilà, il a terminé. Mais depuis, sur tout ce qu'il a dit, 80% ou là 90%, c'est de critiquer la société, de critiquer le Hirak. Je critique comme je veux. C'est ma position. Bien sûr, comme vous faites, mais bien sûr. Sauf qu'il faut être cohérent. Ok, La société algérienne traîne avec elle beaucoup de problèmes. J'ai dit au départ qu'elle était en train de se construire. J'ai dit qu'il y avait beaucoup d'éléments de culture féodale dans notre société. Et j'ai dit que les militaires, la mission historique de l'élite militaire, devrait accompagner les changements qui existent et non pas les bloquer. Le principal facteur de blocage, c'est le commandement militaire et non pas les problèmes dans la société, les divisions de la société, puisque toutes les sociétés sont divisées. Donc, si les militaires reprenaient leur mission historique d'accompagner le développement de la société, peu à peu, on construira l'état de droit. Sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Mais voilà ce que je suis en train de dire. Mais vous critiquez l'opposition, vous critiquez le Hirak. Pourquoi vous ne pouvez pas les critiquer? Ils ont le droit d'exprimer n'importe quelle opinion. On peut faire des observations. Mais on ne les critique pas parce qu'ils n'exercent pas une autorité de l'État et ils ne prennent pas des décisions en notre nom. C'est pour ça qu'on critique les militaires, eux, qui désignent des gens qui décident en notre nom. C'est ça la grande différence. Mais si je peux critiquer Saïd Saadi, mais Saïd Saadi n'a pas le pouvoir. Oui. Est-ce qu'il a fait une loi, Saïd Saadi? Oui. Je donne une opinion sur Saïd Saadi. Mais est-ce qu'on peut pas poser des questions? Vous êtes sur le piste. Par contre, sur Tebboune, je le critique parce qu'il prend des lois qui ont des conséquences, non seulement sur ma vie, mais sur la vie de mes enfants. C'est pour ça que je le critique. Et j'ai le droit de le critiquer. Férocement. Férocement, verbalement. Voyez-vous, c'est ça la différence. Et ce qui me gêne dans le discours de Silharbi, c'est qu'il critique surtout le Hirak, il critique surtout la société. Non, peut-être parce qu'on a posé la question sur l'opposition. Vous n'avez pas ma dernière question, c'était qu'est-ce qui a empêché l'affirmation d'une alternative en Algérie. Vous m'avez parlé de la méthode. Je pense, Silharbi, vous n'avez pas lu ce qu'a proposé pour le débat Sireb. Oui. OK. Un agite parce qu'il a proposé le débat. Anna Mahdarlich, en dernier point, est-ce que vous considérez que le pouvoir, qu'il y a une reconfiguration du pouvoir? Anna qui agite,
ما جيتش انا pour juger pour faire des parties de conflit. Le pouvoir c'est fini, je suis dans l'alternative. C'est fini pour moi le débat parce que tous les moumils là normalement. Donc les formules militaires qui n'ont qu'un واحد من الناس je veux traiter la rente, je veux traiter politiquement la rente en tant que quantité qu'elle a ou عندها l'avant-garde تاعها militaire. Ce n'est pas important ça. Ce n'est pas important parce que nous critiquons, les militaires, le mot gadoua, ou je peux les critiquer, le mot gadoua, ou le roi de Zahir, ou le roi de l'Habs. Je peux les critiquer, le mot gadoua, ou n'importe quel militaire qui n'a pas le courage. Nous avons un conflit, on critique nos erreurs. Parce que la problématique actuellement, le pouvoir dans sa logique, il est dans sa logique. Il a encore redoublé de férocité. Ça, c'est terminé. Nous voulons sauver le pays, justement, en critiquant certaines actions, certaines opérations. Laisse-moi critiquer. Je ne suis pas le tout hirakana. Je représente une idée. Je représente tout simplement un avis, mais j'ai mon avis, je critique ce qui a été fait. Et je le critique, mais je ne fais pas l'observation. Parce que le fait que j'étais mal à l'aise avec j'étais mal à l'aise avec certains dictons. Parce que le dicton aussi façonne, peut façonner. Il y a une société qui m'a rendu là, mais en déficience, même à le niveau de l'éducation. هذه الهضره تاعي فقط قلنا اونيفي مدنيه مخابرات ارهابيه تسقط المافيا العسكريه انا جي لا ريفوز ميم سي سي سيري مي كي طيشها الانسان سا اوفر سا اوفر ديفا زيد لا سوسيتي سي تي سوسيتي عندها ليديال ميليتير عنده شويه كوم فوايو يعني يوتين نشوفوا في نيويورك ساعات واحد كاتب له اف اي اي ولا كاتب جي اي او كاتب مارشال كيما كاين لي جون كاين واحد السنتيمون في العقليه خاصه يعني في الناس حنا كيقولوا جاجي كاين واحد العقليه في الجزائريين ميم راهم يدوا لي ميليتير عندهم واحد الميول نوعا ما واحد الميول هذيك لا سوسيتي لي سيكتا كيما كاع عندهم سي بور سولا نو افون دي سي ديبا ميم سي سي فري اون لي فيت فقط Nous voulons, comme ils disent au Bekri, je mette la gauche, l'union la plus large. L'union la plus large, que le Wahid qui m'a fait ça, il y a un peu, justement pour essayer de changer l'unité, l'unité face à la situation actuelle. Elle appelle l'unité face à parce que le Wahid qui m'a fait ensuite, il n'y a aucun problème. Nous travaillons pour un espace démocratique. D'accord, je crois que vous avez clarifié un peu mieux. Vous avez mieux clarifié la position. Très bien. J'en viens pour préciser ma prochaine question. Je pense que j'ai passé les émissions. Je pense que j'ai passé les émissions. ساعات نقول كو فيان لو ماروك انا من حقي نقولها انا جو في با شونجي لالجيري جي راه عارف شنو لي با موا لا ريفيرونس مي انا نقول كيس كي فيان فير لو ماروك في لو ديبا الجيري ما سيدي كواحد واحد سيدي كو فيان فير لو ماروك شي نو اي كومبري جي كي سي كي ا بارلي دو ماروك كي كي بارلي دو ماروك يا نا خاطر انت نهضر انا اون فويو سيرتيز انترفونسيون À chaque fois, c'est le Maroc qui vient. Ce n'est pas vous, pas vous. Je pas... Nahdar, c'est dans la critique générale des actions, même si on a un dialogue. Certainement, un dialogue. Bon, écoutez, vous avez été un peu plus clair maintenant. Et je vais en quelques minutes vous dire ce que j'en pense. Oui. N'est-ce pas c'est vrai que le slogan Mukhabarat Irhabiya Tushkot al-Mafia al-Askariya, c'est un mauvais slogan. Il est mauvais. Il ne présage, il met en danger la transition démocratique. Il est mauvais. Mais il vient d'où? Il vient d'où? Il est venu spontanément dans la rue. Et pourquoi pas? Pourquoi pas du DRS? Pourquoi pas? Là où je veux en venir, c'est que comme le commandement militaire, il interdit aux Algériens de s'organiser en parti, eh bien, il va faire face à la rue, aux émeutes et à des slogans suicidaires comme celui-ci. Parce que c'est vrai que c'est un slogan
suicidaire. Dangereux. C'est un slogan qui mène le pays à la guerre civile. Qui mène le... D'accord. Mais si, si un parti politique ne pourrait jamais mettre en avant un tel slogan. Parce qu'un tel slogan n'a pas, ne peut déboucher sur rien de concret. Voyez-vous le, et, mais aussi, il faut mais, l'analyser. Pardon, s'il vous plaît. Il a été repris par des élites, par exemple, pour ne pas citer Arachad, des élites du Arachad à l'extérieur, ce mot d'ordre-là. Oui, il a été repris. Il a été repris, mais pas par des partis politiques. Rachad, peut-être, mais pas par des partis politiques. Parce que, mais à travers ce slogan, la rue voulait dire Al-Mukhabarat, ils doivent se focaliser sur leur mission qui est déterminée par la Constitution. Les gens, ils en avaient marre que le Mukhabarat sorte de leur mission constitutionnelle. C'est juste. Il faudrait préciser cela. C'est juste. Mais il ne s'agit pas d'être contre le Mukhabarat. Le Mukhabarat, c'est l'œil de l'État. Tous les États du monde, ils ont des Mukhabarat. Et il est sorti à lorsqu'il y a eu les révélations sur la torture qu'aurait subi le hirakiste Walid Naqish. Donc l'atrocité des révélations qui avaient été faites. Il y a des éléments. Le Mukhabarat, il n'a rien à faire dans la fonction publique algérienne. Il devrait être radié. Ils n'ont pas à arrêter des gens en dehors de la loi et les torturer. Mais ça c'est, il faut remettre en cause le comportement de certains dans les institutions. Il ne s'agit pas de remettre en cause toute l'institution. Elle dit, mais qui c'est qui fait que on ne peut pas avoir ce genre de débat. C'est le commandement militaire. Parce que le commandement militaire ne permet pas à des opposants d'aller à la télévision et expliquer ce que je suis en train d'expliquer. Et le commandement militaire, il cherche justement le pourrissement dans le langage pour justifier les arrestations et pour justifier le refus de la transition démocratique. Je reviens encore une fois, ce n'est pas la faute. Ce n'est pas la faute du Hirak ou des éléments du Hirak. La responsabilité entière repose sur le commandement militaire. Mais je pense, Sil Houari, je vous êtes d'accord avec Sil Arbi Zouemiya sur ce plan-là. Je veux dire, la question que j'avais posée, peut-être c'est ma responsabilité, c'était est-ce qu'en dehors de la responsabilité du régime, du commandement militaire, dans la crise que vit notre pays, dans l'empêchement du peuple de s'exprimer et d'exercer donc ces droits fondamentaux, est-ce que l'opposition qui a essayé de s'organiser durant les années du Hirak, est-ce qu'elle n'a pas raté quelque chose? De quoi a-t-elle manqué? Il y a eu quand même des initiatives que j'ai citées tout à l'heure, le PAD, organisation de plusieurs partis politiques, il y a eu NIDE 22, plutôt un mouvement de la société civile, mais ça n'a pas abouti. Je veux dire, il a suffi. Ces deux initiatives que vous avez citées ont été refusées par le commandement militaire. Oui, mais elles auraient pu, par exemple, s'organiser. Qu'est-ce qui empêche, par exemple Vous ne pouvez pas vous organiser. À l'extérieur. Vous ne pouvez pas vous organiser. Pourquoi la diaspora ne s'organise pas aujourd'hui Elle est relativement organisée. Il y a tous les dimanches des rassemblements à la place de la République. Oui, ou ailleurs, il y a. Oui. Mais le moteur, c'est en Algérie, c'est pas à l'extérieur. Hein. C'est l'intérieur qui prime. C'est l'intérieur. La diaspora ne fait qu'exprimer un sentiment de solidarité. La diaspora ne va pas dégager un projet politique pour les Algériens de l'intérieur. C'est les Algériens de l'intérieur qui dégagent le projet politique et la diaspora ne fera que soutenir la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. Mais après, ils sont partis en Tunisie tous. Pardon ? Ensuite, ils sont partis en Tunisie tous. Qui est parti en Tunisie ? Ceux qui ont dit la primauté de l'intérieur sur l'extérieur.
le départ d'avril 1957 vers le Maroc et la Tunisie, ce qui était, mais pas grave, je ne sais pas exactement les circonstances, mais il y a à l'intérieur et l'extérieur, donc la Jma'a qui a dit, elle a dit qu'il y a une donc... Mais c'est juste ce qu'il dit, c'est juste. Je prends la parole, Malik. Oui, c'est, oui. C'est vrai, il dit, parce que logiquement, je n'ai pas de mal. Les gens qui souffrent, ils disent, et les gens qui souffrent, ils disent, ils décident, nous sommes en train de nous. Mais justement, على مستوانا نقدر نزيوش نعاون وانا يعني جو بونس توجور سو الميديا اي لي فينانس يعني اون تيرم سامبل يعني الميديا اي فينانس بور سوبورتي لي اكسيون دي الجيريان كي سون دير مي سا ريفين توجور او جون كي دلانتيريور دي ديسيدي مينتونو يا دي جون كي بروبوز توافقي واحد توافقي بور لي زيليكسيون سي تي الناس محقها تقترح يا اوكان بروبليم النقطة الوحيدة برك اللي حبيت ثاني نزيد هنا جمري بيكو من ليبيريا عندي دي زامبيراتيف اسير على العرس اون فاتيرميني اون فاتيرميني انا بتاتر درنا كامل غلطات خطر مش ليكسبيريونس تاع الجزائر سي لا بريمير اكسبيريونس سي توجور ديما نديرو لي بريمير اكسبيريونس حنا سي اكسبيريونس ما كانش واحد ما كانش نقولوا حنا ائتلاف احسن يا في با دو كواليسيون دو بارتي كيون في ان ابي سيتي ان تي بو اكسيبسيونيل يعني لا نيسونس دو حراك مي لي زيرور اللي نهضروا عليهم حنايا دركا سي ك نو زافون اوتيليزي دي مويان نو زيتيون partie prenante de certaines actions, il n'y a aucun problème. Lazmna hadrou ala wadak, il est là le pouvoir. Il est là. Il a négocié même la souveraineté de l'Algérie avec l'Émirat en plaçant Gaid Saleh. Il a fait ce qu'il a fait. Dommar dunya, qui n'a pas les sentiments, mais fraîche. Mais nous ne sommes plus, nous ne sommes pas les sarraqins, nous sommes des patriotes. Mais si on s'affiche, on a gagné le jour de l'année. Nous voulons le bien de notre pays, de notre peuple, de nos amis, de nos familles, faire le blé de l'île comme une habouche, parce que si à jamais t'es à dire, ce sera un kbir. C'est un kbir, c'est ça. On est. Mais on a hâte, je sais pas. Sinon, on a un nidam, on a un conteneur. Donc, les mdimars, il est là le pouvoir. Il est là. Le plus important, c'est que les méthodes, le modus operandi, ziwesh, y a-t-il une possibilité réellement, pour répondre à votre question, Adika, y a-t-il une possibilité d'organiser, de s'organiser, d'une fusion, d'une union large, d'accompagner un mouvement populaire qui peut s'éclater à n'importe quel moment s'il y a jamais y a des incidents relatifs à la cherté de la vie ou à la quimiche, parce que on risque de tomber dans un croc en jambe, il y a le pétrole, le pouvoir garde des dames dans le bled, il est en train, il est dans sa mission, c'est ça, c'est, il est permanent, c'est sa logique à lui, au niveau terre, ou même pas comme les généraux, c'est un niveau zedra, c'est un niveau كارثي كي تهضر كارثي هذا واش راح نقول خويا يعني اسمح لي سي الهواري يعني يعطيك الصحه على جو ريسبكت مي نشوفو نوتر كوتي كيما هكا الحوايج اللي نقدروا نديروها في اون بوس فير لو ميو هذا ما كان ميرسي بوكو يعطيك الصحه سي العربي جو سي با سي فوز افي كيك شوز ا اجوتي سي الهواري افون دو كلور نوتر ايميسيون Non, je n'aurais pas de choses à ajouter, sauf qu'il faut multiplier ce genre de débat, parce que ce genre de débat participe à lever les malentendus et participe aussi à créer une certaine confiance entre les différents acteurs. Il faut discuter, il ne faut pas discuter juste avec les gens avec qui on est d'accord. Il faut discuter avec les gens avec qui on n'est pas d'accord. Et donc, c'est pour cela que il faut ce genre de débat parce qu'il y a beaucoup de d'animosités qui sont injustifiées, qui naissent de malentendus. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir invité. C'est nous et je vous dis au revoir et à bientôt.
Merci beaucoup, Sile Houari Addi. Merci, Sile Harbi Zouaimia. Merci à tous les internautes qui ont suivi ce débat-là, soit sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook. N'hésitez pas à le partager. Bonsoir à tout le monde. À la Merci. Merci. Salut.